Et on se retrouve, c'est moi, c'est Zelfus qui vous sort une nouvelle vidéo depuis les Abysses pour ceux qui suivent la série du mode Ambition sur Dynasty Warriors 8 Extreme Legends. Donc là, on va faire le ménage au niveau des officiers. On est toujours en compagnie de El Marco. Rassurez-vous. Il est toujours présent, notamment on la voit pas là. Voilà, nice. Donc là, on va faire le ménage au niveau des gardes parce qu'on a beaucoup de péons. Et nous, ce qu'on veut, c'est des officiers. Parce que là, on est bloqué en fait. Si on n'en vire pas techniquement, on ne peut pas avoir Zhu Tai et tous les autres persos qui nous manquent. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est obligé de faire un tri malheureusement. Donc on va aller dans paramètres garde, je pense. Organisation des gardes. Faut échanger, ouais. Et oui, tu as. Oh, on peut mettre des gardes. Des gardes spécifiques. Bah, après, c'est pas mon main perso, donc c'est interdit quand c'est pas nos main perso de faire ça. Ok, je change de perso. Non, justement, je vais changer de perso moi. Attends. Je vais jouer Zhu Yu. J'avais dit que je le jouerais. Et bah, du coup, c'est l'occasion. Donc, c'est parti, je vais me stuff. On arrive dans un instant. Donc voilà, je vais jouer Zhu Yu. Ça y est, j'ai fini de me stuff. Mais là, on va devoir licencier des gardes. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est aller dans paramètres garde, amélioration garde. Et on va voir si on peut améliorer des gardes qui vont t'intéresser. Je pense que tu vas utiliser Guan Yu, toi. Il a attaque à sentir. Ouais. On va congédier des gardes qui servent à rien, des gardes péons. Donc ça va prendre un certain temps, donc on va pas. Ça, on va vous skip, y a pas de souci. Donc ça y est, on a viré combien 96 alliés. Exactement. Pour pouvoir recruter ceux qui nous intéressent en réalité. Donc voilà. Donc là, au niveau du micromanagement, on avait tout fait, non, il me semble. Ouais. Allez, c'est parti, on part. On va parler à El Famoso Daron. Donc on a amélioré Guan Yu et Jing Feng en garde. El Daron. Allez, c'est parti. Attends, il m'a dit quoi? Il a changé sa phrase ou quoi? Ah non, il est toujours pareil. Difficile. Ressources. Toujours. Quoi d'autre? C'est ça. De toute façon, on aura forcément des duels entre chaque bataille, donc c'est parti. Let's go. Oh. Ah, j'ai deux gardes. J'ai mis deux gardes, non? Ah, tu peux peut-être pas en mettre plus ou t'as oublié? Bon, c'est pas grave, c'est le plus important, non? Tu l'as peut-être pas. Ouais, j'ai le plus important en vrai. Rassemblement de provisions et attaque incendiaire. C'est le plus important. Tu l'as peut-être congédié, tu sais. Ouais, c'est possible. Ah! Effectivement. Bon bah. Challenge. Bon bah, ok. Ça va être en mode rush. En fait, dans les gardes qu'on a équipés, il y en a qu'on a congédié. Donc, ce qu'on va faire, on va farmer ici tranquille. Tu fouilles tous les pots, on va rentrer au camp et on va repartir, ok? Ça marche? Ça te va, El Marco? Est-ce que tu votes pour? Ouais, moi ça va, ça me va bien. Ouah, Zhu Yu! Lui, il envoie du pâté. Suive son gameplay. Avec le bâton. C'est bon, ça c'est bon. Bonus santé 20. On l'a réussi à faire monter niveau. Ouais. Le sud. Attaque incendiaire réussi. Je vais aller récupérer les ressources quand même. Et on va rentrer direct. Je vais mettre fin. C'est vrai qu'on a fait une attaque incendiaire. Je vais mettre fin du coup. Ouais, vas-y. Élimination. Pas assez fort pour éliminer une attaque. Désolé Guan Yu. C'est au cas où il était encore en vie, il aurait été mort en fait. C'est ça? Il aurait été détruit. Il va devoir craindre la puissance du dieu de la guerre. C'est ça. Bah allez, on rentre au camp. Juste histoire de reparamétrer nos trucs, on revient vite fait. On en a pour 2 secondes. Pas rapide. C'est good. Allez, on micromanage ça vite fait. Donc là, on a reparamétré nos gardes. On récupère les ressources. Ah, on a eu une bonne arme. Une monture assez rapide, mais pas encore assez.
On envoie une expédition, on récupère tout ça et on relance direct. On y va en mode rush, speedrun. Paysan et c'est tout. Allez, c'est parti. J'ai tout pris là. Allez, on repart en mode ressources. C'est parti. Cette fois, c'est le vrai départ. Là, je vais mettre pause, attends. Là, on a tous nos gardes, là. Ouais, c'est bon. Je vais balancer une attaque incendiaire directement. Ouais, ici, là. Et toi, t'as mis un officier célèbre. De Jelian, le meilleur stratège. Tu l'as fait ici, toi? Ouais. Toi, tu l'as mis au centre. C'est mieux stratégiquement. Vas-y, je te laisse charger deux. Je suis faible contre lui. Ah, là, c'est bon, là. Mais il s'enfuit! J'ai vu un officier qui s'est enfui devant moi. Mon attaque incendiaire est un succès. Le plan de Zhuge Liang fonctionne. On récupère une arme de ressources. Nice. Il brûle! Ça c'est bon. On termine la bataille. Attends. Coupe bien les pots. Je récupère les pots moi. Je peux récupérer des ennemis. Mais attends, il y a un pot là. J'ai une mire. Il y a un pot là-bas. Je l'ai vu. Attends un peu. Vas-y, tu peux achever. Attends, je vais faire aussi du coup. Allez, let's go. Ah si, il était dedans, c'est bon. Il est touché. Bingo, bien joué. Première bataille, c'est un succès. Franchement, on a tout farmé là. On a tous les lingots. Allez, je passe direct. Une bataille. Ressources, ouais. Hop. Toujours plus de ressources. Oh, la musique, elle est puissante. Vas-y, je vais à l'est. Moi, je vais chercher un police. Non, pas de temps, je mets ça, vas-y. J'aime beaucoup cette musique. Ok, c'est bon, go. Oh, j'ai du mal là, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est sérieux ou quoi là? Comment il perce ma défense comme ça là? Oh, je suis trop bas level en fait. C'est bon, ça va le faire. Ça va bien se passer. J'ai essayé de comprendre. J'ai l'angle à faire son attaque secrète. Ouais. Va vers l'ouest. Ah, je peux pas passer comme ça là. Non. Mets fin à la bataille, je vais trop perdre de temps là. Bien. Attends. Ah. Non, pense à moi aussi. J'étais en train de réfléchir. Peut-être que si vous non, je pouvais faire plusieurs attaques incendiaires. Merci pour ce temps d'urgence. Une seconde au minimum en fait. Une seconde, c'est une seconde, hein. On sait ça. Hein. 5 secondes. Bien joué avant la fin des 6 minutes. Parfait. Ah voilà, comme t'as dit. Regarde ce qu'on voit. Un pot magique. C'est presque une insulte de dire ça. Guan Yu. C'est ça. Je m'attendais pas à ce que tu sois aussi fort.
Ah ouais, j'avoue. La sous-estime immense. Allez, on le sort à la liste pour cet épisode numéro 16. Est-ce que ce sera l'épisode ultime? Si tu vois ce que je veux dire. J'ai zouillu, techniquement, je devrais peut-être attirer cette taille. Allez, c'est parti. Est-ce que je me spoil ou on découvre? Vas-y, on met, on garde, c'est censé. On garde, allez, c'est parti. Ouais. Ferme les yeux, Marc. On ouvre les yeux? Ouvre les yeux. Regarde ma tête. Blasé. Ah, KO, KO. On l'avait pas battu? Ah putain, en plus on pouvait le voir là, je suis con. Mais j'ai regardé là en fait, j'ai pas triché. KO, KO. Bah on va le battre, comme ça on pourra plus tomber sur lui. On est contre KO, KO. Xusu, Jian Wei, Kei Wenji, on l'a pas vu, mais... En tout cas, le trio là, en haut, il envoie du lourd. Dans la série des trois rayons. Xusu, oui. Bon, on se planifie comment? Moi je m'occupe du sud. Je nettoie le sud. Il faut que j'apprenne le gameplay de Zuyu par cœur. Toi, je te laisse faire le reste. Moi, je vais éliminer la partie ouest nord. Parce que là-haut, c'est l'armurerie. Et après, je vais remonter. Faire un U inversé. Ah, on fait l'attaque incendiaire vers la fin. Okay. Dès qu'on arrive vers la fin, hein, quand il reste plus que le boss, quand on lance le rassemblement. Ça te va? Ouais. Ready? La tienne ou la mienne? De la mienne, je vois pas où la placer en fait. Prends ton temps pour réfléchir. Je vais la placer plus tard. C'est bon, tu la mettras plus tard. Ouais. Ok, let's go. On y va. Il y a un mec qui s'appelle Sentai. KO KO, mon ambition ne connaît aucune limite. Allez, c'est parti, on est contre KO KO. Grosse bataille. Il me semble qu'on les avait déjà affrontés et ouais, qu'on avait perdu, on avait joué Cao Cao. Et Dakiao. Donc là, techniquement, c'est une revanche. Moins cher. Ça va le faire. Zuyu est dans la place. Yanman, dans mon chemin. Eh, Zuyu, il est chaud. En vrai, il est chaud. Je perds beaucoup de vie, mais il est là. C'est Xuxu. Je vais faire un soutien d'urgence quand même. Je vais jouer avec le feu. Il m'a rendu un peu de vie, c'est cool. Ce que j'ai mis avec Zuyu n'empêche. Ouais, ça c'est Zuyu. Mais vous allez voir, Zutai c'est encore mieux. Merci à toi, Ryu, en fait, c'est totalement l'inverse. Ouais. Vraiment joli ces attaques, ces animations d'attaque. Animaux. Oh, Pang Tong. Qu'est-ce qu'il fait là? Pang Tong est en difficulté. Je voudrais aller les aider si tu peux gagner. Il est où? Pas qu'on les perde. Il est au nord. Il y a beaucoup de bleu là où il est, bizarrement, mais il a du mal apparemment. C'est bon, j'ai bloqué les renforts. On a régène. Je vais aller l'aider, le gars. Bah. T'es sérieux? Je viens d'arriver. T'arrives trop tard.
Oh, on a les archers qui se transforment en... Ah non, en soldats. Ça. Ah. Infâme, ça. Infâme. C'est une calamité pire. Dans ce jeu, ça. C'est tellement je vais faire affronter Loubo en 1v1 au niveau 1 que ça, quoi. Ça va faire aussi. Ça, ça casse ton combo, quoi. C'est horrible. Kaiwenji. C'est good. Nice. Allez, Zuyu, attaque aérienne. C'est de 1. C'est bon, je l'ai eu, nice. T'as réussi à recruter Kaiwenji? Ouais. Nice, bien joué. Le sud. Je vais remonter en haut vers le sommet. Ouais. Zusu et Janwei au même endroit. De l'or, donnez-moi de l'or. Wow, 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 Xuxu, calme-toi là. Il m'a fait mal avec sa grosse massue là. Oh là là, je fais un enchaînement là. J'ai quelqu'un mais il était pas dedans. Allez, le pouvoir de Zuyu. J'attends toujours mon trésor. Voulu éliminer. Janwei qui fait une attaque dans le dos. Je pensais pas que c'était un lâche comme attends, ça. Attends, je vais ouvrir le menu. Ah, typiquement Zhu Zhejiang. Voilà, à la fin il fait son attaque incendiaire. C'est comme ça qu'il gagne. Janwei est mort. Franchement, je vois pas comment on peut perdre. Mets le bonus. On a pas de soutien d'urgence. C'est ça que je vois. Oula, fail. T'as plus de PV, mec. T'inquiète pas pour ça. Hop là, on m'a soigné. Je te dis de pas t'inquiéter. Ça faisait longtemps que j'aurais dû jouer Zouyu en vrai.
Oh là là, Guan Yu qui achève. Je vais comme tu m'as diverti, je t'offre mes services en récompense. J'étais en train de battre des coups, je suis arrivé, j'ai foutu un coup, j'ai fait hop. Non mais avoue que t'as eu peur pour moi, mais t'as pas compris ce qui s'est passé, le retournement. Si si, j'ai compris, j'ai vu la quantité de buff que tu prenais, j'ai fait ah. Tout s'explique. Ça a écoulé 7 minutes 57 quoi, c'était une grosse bataille. Aïe aïe aïe, 437 alliés, on a recruté Cao Cao, Jian Wei, Zuzu. Le trône impérial! T'es pas obligé de le culer comme ça. On a le trône impérial, mec. On a ce qu'il faut pour accueillir l'empereur, qu'est-ce qu'il me fout de ma gueule. Un fauteuil ayant servi au trône à de nombreux empereurs, son indéniable élégance et l'excellence de sa fabrication font un parfait symbole de gloire impériale. Dès qu'on rentre, on met ça, mon gars, dans le camp directement. Ah là 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 là, il nous reste 3 minutes 19. Et bah écoutez, on va clôturer cet épisode ici. On vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez le like et abonnez-vous en activant la cloche. Salut tout le monde et à la prochaine pour une nouvelle vidéo depuis les abysses en compagnie de YouTube Money. El Marco. El Marco. El Marco Tigno.